Ce matin, on a Claudia avec nous. Bonjour Claudia. Hola a tous, bonjour. On a Michel. Hola, tu as chacun, comment estás? Muy bien, gracias. On a Diego. Salut à tous, j'ai l'impression d'être à un concert de Daddy Yankee. Et donc on a Marine. Marine, bonjour. Bonjour. Voilà, donc bah, nous sommes tous là pour vous faire passer un très très bon début de journée. J'espère que cette émission va vous mettre la pêche, la patate, tout ce que vous voulez, tous les légumes, fruits et légumes par jour qu'il vous faut. Alors c'est l'année toute galère du jour. Effectivement, c'était au Chili. Alors bon, c'est vrai, souvent je raconte les beaux voyages que j'ai fait au Chili, mais là c'était un moment bien galère parce que j'ai raté mon bus. En fait, j'étais dans le sud du pays à Valdivia et je devais rentrer à Santiago pour un événement d'un pote et j'ai raté mon bus. Donc je me suis dit, il faut absolument que je sois ce soir à Santiago. Il y avait plus de 1200 km, donc je me suis dit bah le seul moyen d'y arriver, c'était le stop. Je suis arrivé en 3 voitures, c'est-à-dire c'est ce que j'allais te demander. Sur 1000 km, un mec qui m'a pris et il m'a rien demandé quoi. Ah bon ? Et au moins il m'a pris sur 1000 km et voilà, je crois que je lui ai offert un Kit Kat. J'ai le nom d'une reine. C'était une reine. Non, pas l'impératrice, d'une reine, juste voilà, mon deuxième prénom et merci maman pour ça. Hein. C'est Marie-Antoinette. Voilà, voilà. Voilà. Alors moi j'ai un cliché, lorsque je pars au Pérou et je dis que j'habite en France, c'est toujours les mêmes clichés. Chanel, Louis Vuitton, Tour Eiffel, et surtout, est-ce que les Français sont beaux et romantiques? Ah, et ben non. Voilà. Je me suis fait attaquer par un singe. C'est il y a très très longtemps, j'étais au Guatemala, justement dans la région du Petén, au nord du pays. Je le touchais, sauf qu'il m'a attaqué. Il a touché tes cheveux en fait. Oh, il m'a fessé les cheveux comme ça. Il est traumatisé à vie. J'ai peur des singes. Est-ce que vous avez remarqué quand même, je m'adresse aussi à vous qui nous écoutez, ses cheveux? Mais à chaque fois en fait il change de coupe de cheveux, moi je ne sais jamais, vous regarderez les clips. Je vous dis, bon, regardez les clips, on ne le reconnaît jamais David. Tu parles de David le vidéaste qui est là hein. Ouais David de nous filmer. Regarde. Hola mis amigos, bienvenidos a la radio Capsao 99.3. Qué rico, qué calor, qué canciones más sabrosas de reggaeton. Aquí estamos todos muy felices. Bienvenue. Merci. Bravo, Michel. Bravo, Michel. C'est le réveil latino qui se termine vendredi 20 janvier. Vous êtes sur Capsao. Et voilà, ce réveil latino est terminé, c'était de 6h à 9h et ce matin nous avions tout le monde parmi nous. Nous avions Claudia de Paris, nous avions Michel, nous avions Diego et nous avions aussi Marine. Merci à tous d'être venus m'accompagner dans ce réveil latino, d'avoir accompagné surtout les auditeurs sur le chemin du travail. C'est un grand plaisir. Et ouais, bah, c'est le plaisir à mon avis est partagé de leur côté également. Merci à mes collègues, merci à toute l'équipe Capsao. Très bonne journée à tous. Et merci à toi Chacha. Bon week-end. Merci, bravo, merci à tous. Du soleil toute l'année.